Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère juste que vous m'entendrez bien. Donc je sais que ça a plu, donc je vais faire les guidances pour le mois de décembre, mais dans le domaine financier, pour chaque signe. Et je commence avec le signe de la Vierge. Allez, on y va. Pour vous, ma Vierge, pour ce mois de décembre, financièrement... Alors c'est pareil, hein, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, donc faites preuve de discernement, je compte sur vous, prenez que ce qui résonne en vous, ok, allez, pour mes amis vierges s'il vous plaît, pour le domaine financier, pour mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Nous avons la carte de l'homme, alors il se peut que ce soit pour vous messieurs, ok, ou pour une personne masculine autour de vous, mesdames. On va voir hein, pourquoi l'homme. Allez, mon ami Béline, me guide s'il vous plaît. Financier. En coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la table. Et nous avons les honneurs. Waouh! Alors là, ça peut me parler de... Donc la table, c'est tout ce qui concerne les rencontres, d'accord? Donc ça peut être autour d'une table, bien entendu. Donc ça peut être une convocation dans un bureau. Si c'est professionnel, par exemple, votre hiérarchie vous convoque dans le bureau, vous en ressortez avec les honneurs. Alors soit un poste, soit une augmentation, voilà, ce genre de choses. Ça peut être aussi, si vous êtes demandeur d'emploi, ben pareil, une rencontre, d'accord? Mais bénéfique pour vous. Un rendez-vous, peu importe, d'accord? En tout cas, vous en sortez avec les honneurs. Et c'est quelque chose de soudain qui arrive ici. Hein. Et ouais, il y a une certaine reconnaissance ici, dans le domaine financier. D'accord? On va voir. De quoi il s'agit? Mes vierges. Oups! J'ai une qui s'est retournée. Campagne santé. Alors peut-être que c'est lié à une période de repos volontaire. C'est peut-être aussi dans le domaine du bien-être, de la santé, pour certaines personnes, qu'il va se passer quelque chose. Hop! Allez, on va voir. Pour vous, mes vierges. Domaine financier. J'espère que vous m'entendez bien, les amis. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Domaine financier pour ce mois de décembre. Pour mes vierges. Nous avons la famille. Nous avons les présents. Je vais les mettre à l'endroit. Hop. Nous avons le retard. Nous avons l'héritage et nous avons la campagne santé. Alors ici, il y a une situation qui dure quand même depuis un certain temps, mais qui a pris du retard. C'est en lien peut-être avec, justement, c'est peut-être un héritage, d'accord? Parce que j'ai la famille et l'héritage ici, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive là. Si c'est dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui arrive ici, c'est comme un cadeau. Avec la carte des présents ici, vous voyez, c'est comme un cadeau. Ensuite, ça peut être aussi des papiers administratifs, d'accord? Peut-être pour l'achat d'une maison, un prix, quelque chose. Il y a quelque chose qui est en lien ici, au niveau familial, ça va faire du bien, c'est un cadeau. Et ça a pris du retard, ces papiers, hein? Ça a pris du retard. C'est peut-être, moi, il y a un prix concernant l'achat d'une maison, la construction, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ça a pris du retard. Ici, ok, on va voir, on va couvrir. Pour mes vierges financièrement, pour ce mois de décembre. Waouh, il y a l'élévation sur la famille, c'est magnifique, il y a la stabilité, il y a la découverte, un nouveau départ encore une fois. On va vers quelque chose de nouveau ici, hein. Et c'est un cadeau on me dit, et en plus... Ça permet de vous retrouver au niveau familial. Il y a la stabilité ici et il y a l'élévation. Ok. La beauté. Waouh. Je vous dis, hein, il y a quelque chose qui arrive ici. Ouais.
il y a quelque chose qui arrive. Le bateau, ça peut être aussi, alors pour certaines personnes, peut-être que vous avez mis en place, vous avez envie de partir, de vous installer ailleurs. C'est peut-être une promotion aussi, hein, liée à votre travail. En tout cas, ici, on vous demande de faire preuve de patience. D'accord? En tout cas, ça arrive. Si c'est dans ce domaine-là, ça arrive. La carte du bateau aussi sur l'héritage, ça parle d'émotion. D'accord? Ça parle aussi de garder le cap, d'être patient, de faire preuve de sagesse. En tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein, dans le domaine financier. Alors évidemment, hein, c'est peut-être effectivement un héritage où il va falloir vous déplacer. D'accord? Mais bon, c'est très beau. Très belle chose. Alors, la table. Vous voyez, je vous dis, hein, il y a des réunions de famille ici. Hein. Il y a le soutien aussi. Il y a le soutien, il y a l'appui. Il y a peut-être des querelles. Des papiers administratifs, encore une fois. Et des discussions. Ok. Il y a peut-être une situation au niveau familial ici qui a provoqué... Alors, attention, c'est pas des querelles en famille. Je pense que c'est plus intérieur, moi. Je pense que c'est intérieurement... il y a peut-être une histoire d'héritage, encore une fois, où il va falloir vous déplacer pour justement en discuter, mettre les choses à plat. D'accord? Il va falloir en discuter. Ici, j'ai la carte de l'appui, donc avec certainement une personne officielle, donc un notaire, un avocat, peu importe. D'accord? En tout cas, il y a une réunion ici quand même. Hein. Mais ça vous mène à l'élévation. À la stabilité, vous retrouvez quand même. Il y a des documents officiels ici, hein, mais moi je pense que c'est vraiment lié à plus à un héritage effectivement que qu'un autre domaine. Après, si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, ça peut être aussi une mutation qui est en place, d'accord, où vous allez signer des papiers, vous allez vous déplacer. Il y a des discussions ici, d'accord, mais en tout cas, ça vous apporte. Vous avez l'appui, l'aide, alors ça peut être l'aide d'un défunt, vous êtes guidé, ça peut être l'aide d'un défunt, mais ça peut être aussi un collègue, ça peut être quelqu'un de la famille, voilà, ce genre de choses, d'accord? En tout cas, je pense aussi que cette mutation, vous êtes tiraillé, parce que c'est quelque chose qui vous... c'est une opportunité qu'on vous présente, et en fait vous êtes tiraillé, vous allez en discuter au sein de votre foyer, vous voyez? Et c'est très positif, hein, c'est très beau. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle. Je prends la triade, tiens. Avec la triade. Bon, ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, il y a une opportunité qui s'offre à vous, peut-être une mutation, un changement de département, ce genre de choses, où il va falloir en discuter. En tout cas, il y a du mouvement, hein. Il y a pas mal de mouvements, hein. D'accord? C'est très positif. Allez, pour mes vierges, pour ce mois de décembre, dans le domaine financier, que pouvez-vous nous dire? Merci mes guides. Hop. Ce jeu est grand, et quand on a des petites mains, qu'est-ce qu'on a là? La science et le silence. D'accord. Alors, il y en a qui travaillent peut-être dans le domaine... Alors, la science, c'est le savoir. D'accord. Voilà, c'est le savoir. Ça peut être aussi dans le domaine tout ce qui est médical. D'accord. Enfin, toute la science, voilà, en termes... Vous avez la protection dessus. Et le silence, alors, soit c'est des choses qui sont cachées, d'accord? Soit c'est des choses qu'il ne faut pas que vous dévoiliez. Ok? Pour le moment, on va dire. Hein, si vous avez un projet ou voilà, ce genre de choses, on vous dit de, voilà, de ne rien dire. Bon, on va développer. Allez, on va voir. Pour les vierges, pour ce mois de décembre, dans le domaine financier, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, il y a encore des papiers, là. Il y a des signatures, ici, hein. Il y a des papiers officiels, on va dire. Et il y a l'illusion. Alors, l'illusion, pour certaines personnes, ça peut être voilà, de pas...
en fait, que c'est comme si on vous, c'était illusion. Non, moi, là, pour moi, c'est restez vous-même. Voilà, tombez les masques, restez vous-même, vous êtes protégé en plus. Mais c'est la fin de quelque chose ici, c'est la fin d'une situation, vous retrouvez l'équilibre par rapport à, vous sortez du tunnel là, par rapport à ces papiers-là. Ouais. Peut-être que vous pensiez que c'était c'est trop beau pour être vrai, pour être vrai. Vous voyez ce genre de choses? Eh bien non. Allez, on va voir. Hop. Pour mes vierges, domaine financier, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop. Oh, il y a quelque chose, il y a une rupture ici. En dos de deck, j'ai la rupture, j'ai la foudre, j'ai. Qu'est-ce que nous avons? Ouais. Il y a que, voilà, ces papiers administratifs, je vous dis, ces papiers administratifs vont mettre fin à une situation, vous retrouvez l'équilibre. Encore une fois, c'est peut-être dans le domaine mais de la santé, du bien-être, fait quelque chose de près ou de loin avec la santé. Vous sortez du tunnel ici. Hein. Ouais, c'est professionnel, vous voyez? Et c'est la renaissance, mes amis. Bon. Ok. L'adversaire, la bénédiction. Pénitence, l'énergie, d'accord, et le dessert. Ok. Avec cette, elle est magnifique cette carte de protection ici. Vous avez une belle protection. Vous êtes votre propre adversaire ici. Hein. Ici, vous avez. J'ai l'impression que vous vous torturez. Pourquoi, je ne sais pas, mais vous allez retrouver. Vous avez la bénédiction. Hein, peu importe le domaine, on va recouvrir, mais. Ici, excusez-moi, je croyais que vous le voyez. Hop. Ici, vous êtes peut-être en baisse d'énergie. On me dit là. Vous êtes en baisse d'énergie, les amis. Ouais. Alors, moi, pour moi, après une longue, longue traversée du désert ici, vous allez vers le soleil. Hein. D'accord? Donc, retrouvez cette énergie. On vous aide. On vous aide. D'accord? Allez, on va voir. C'est comme si vous avez baissé les bras. Enfin, pas baissé les bras. Vous avez plus envie de vous battre, en fait. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être par rapport. Vous adaptez à votre situation, mais c'est un peu mon ressenti. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'isolement, vous voyez? Ouais, vous êtes enfermé dans une situation. Ici, vous avez l'impression de tourner en rond, en fait. Vous savez, le serpent qui se mord la queue là, c'est une impression que vous avez l'impression que vous voilà, vous tournez en rond. Ensuite, ça peut être aussi le retour d'une situation, d'accord? Il y a une autre, quelque chose, le retour d'une situation, mais qui est pour qui est béni, enfin, qui vous est envoyé, hein, c'est ouais, mais qui est nécessaire. Ok, les mensonges, d'accord. Et enfin, après cette traversée du désert, vous allez vers le soleil pour quelque chose de durable. On vous dit de rester vous-même avec cette carte ici. D'accord? L'énergie, c'est retrouver cette énergie. D'accord? Je pense que ce passage à vide était nécessaire, on me dit là. Ce passage à vide était nécessaire. Et le retour de la situation, c'est quelque chose de nécessaire. D'accord? Pour justement peut-être vous ouvrir les yeux sur. Peut-être quelque chose que vous avez loupé une première fois. Mais là, on me dit de voilà, ouvrir les yeux, tomber les masques. Voilà, tomber les masques, on me dit. En tout cas, vous allez réussir parce que vous allez vers la lumière et pour quelque chose de durable, mes amis. Ok, bon, on va voir. Et sortez de cet isolement-là. Il faut sortir de cet isolement. Vierge. Et oui, vous voyez, malheur. Vous êtes votre propre adversaire, vous êtes dans une. Vous avez sûrement eu une situation, vous avez commis des erreurs, voilà. Vous voyez, l'univers fait bien les choses. Hein. Je vous dis là, pour moi, il y a le retour d'une situation. Alors, c'est comme si vous aviez.
Vos prières sont exaucées. Ok, la lumière. Vous allez vers la lumière, les amis, mais il va falloir mettre fin à cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Je pense que c'est émotionnel surtout. Il y a le nouveau départ, mais un nouveau départ pour. Un nouveau départ pour. Comment on dit ça? Un long moment, hein? D'accord? Stabilité, voilà. En tout cas, il faut mettre fin là. Il faut arrêter de se voiler la face, de porter des masques, d'accord? Là, ici, alors soit il y a une grosse dispute, une grosse querelle, quelque chose, mais je ne ressens pas ça comme ça. Moi, je dis que c'est la fin d'une situation. La fin d'une situation. Ouais. Vous avez, comme on dit, mangé votre pain noir ici. Hein. Il y a beaucoup. Et là, c'est le retour d'une situation, mais qui vous est envoyée par l'univers pour ne pas commettre les mêmes erreurs ici. En tout cas, ça me dit que c'était nécessaire, ça, pour pouvoir réfléchir peut-être autrement. D'accord? En tout cas, vos prières, vos prières vont être exaucées et vous allez vers le nouveau départ ici. Hein. Ouais. C'est très beau, hein? Vous avez passé une très très mauvaise période, mes amis. J'ai l'impression financièrement, ça a été assez compliqué. Hein. Alors, je vais voir avec l'oracle du miroir. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps non plus la vidéo. Hop. Alors, financièrement, pour mes vierges. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a une stabilité, il y a quelque chose qui revient. Hein. Bon, allez Vierge, qu'est-ce que vous voyez? Miroir magique, c'est magnifique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, elle efface toutes les cartes négatives, bien sûr, mais ici c'est le nouveau départ. Ça y est, on sort du brouillard au niveau du mental. Vous voyez le soleil, le cercle, c'est le nouveau départ. Le vert ici, c'est la couleur verte et rattachée à la guérison. D'accord? Et il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent avec la cigogne. Et vous allez avoir cette notion de pouvoir respirer, comment dire, penser comme vous avez envie, agir comme vous voulez, vous, d'accord? Il y a le domaine de l'étranger ici, c'est un projet, et il y a l'homme. Il y a le retour d'un homme ici, il y a le retour d'une situation. Ici, peut-être pour vous, messieurs, que vous avez connu, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a un projet ici, vous allez récolter, et ça me parle de l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être un pays étranger, mais ça peut être aussi un autre département, voilà. Mais ça peut être aussi la main tendue d'une personne étrangère. D'accord? En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Et là, nous avons... Ouais, c'est dans le domaine professionnel ici. Waouh, il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Le foyer, l'hérédité, le changement. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, la correspondance, c'est magnifique. Wow, je sens qu'il y a des vierges qui vont recevoir des nouvelles et des bonnes nouvelles. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ok, allez vierge. Décembre, financièrement, pour moi, il y a de très belles choses, des opportunités. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Qui va vous sortir de cette galère peut-être financière dans laquelle vous êtes trouvé. Donc, gardez espoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La joie. Première carte. La joie. Magnifique. Ouais, le projet, encore une fois, la fécondité. Donc, la joie, ça peut être aussi avec la fécondité. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. D'accord? La culpabilité, vous sortez de ça. C'est un poids que vous aviez sur les épaules pour moi et qui s'en va en fait. D'accord? C'est beau. L'ouverture, nouveau départ, encore une fois. Magnifique. Et la tranquillité, mes amis. Waouh, il y a de belles choses qui arrivent là. Alors peut-être que cette situation va vous faire culpabiliser. D'accord? Peut-être, comment dire ça? Alors, si c'est dans le domaine du travail que vous êtes obligé de changer de travail, peut-être ça va vous faire culpabiliser par rapport à des collègues, des amis, voilà, ce genre de choses. Mais vous allez vers la joie. C'est un projet que vous avez depuis longtemps pour moi. Oui, allez, on va voir, on va couvrir pour mes vierges, pour
ce mois de décembre. Quand vous allez vers la joie, la tranquillité, vous voyez, il y a l'étranger. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont partir. Vous partez à l'étranger par rapport à un projet, mais il y a le retour de l'équilibre ici ou le retour d'une situation passée aussi. En tout cas, il y a l'argent. Il y a une rentrée d'argent aussi. Une rentrée d'argent peut-être par rapport à, qui va vous faire culpabiliser ou qui va vous enlever cette culpabilité que vous avez sur vous. Et cette ouverture vous apporte le changement, mes amis. Et l'argent aussi, bien sûr. Et il y a un contrat. Il y a un nouveau contrat ici. Alors, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais pour moi, il y a un nouveau contrat ici qui va être signé. Une proposition qui arrive là, pour moi. Il y a un contrat, peut-être lié à l'étranger. Qui va vous apporter bien sûr la joie, mais c'est un projet que vous avez. Il y a un changement qui est en route là, les amis, pour vous. Waouh! Vous n'avez que des belles cartes, les vierges. Domaine financier, il y a de belles choses qui arrivent. C'est la chance. Vous rentrez en période de chance ici. Et c'est une chance à saisir, on me dit. Vous allez vers la victoire. Ce retour-là, avec ce projet, vous allez vers la victoire. Vous allez vous gagner. Ouais. La famille, l'argent, la stabilité. La famille, ça peut être aussi la famille professionnelle. D'accord? La maison, le foyer, il y a un changement ici au niveau. Et pour moi, il y a un déménagement. Hop. Alors, peut-être lié par rapport à ce travail. En tout cas, il y a un nouveau départ ici, mais ailleurs. Il y a un déménagement pour moi. Ouais, et ce contrat, la tranquillité, après une période d'instabilité, bien sûr, ou qui peut vous provoquer une certaine instabilité parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ça peut être aussi, moi, pour moi, c'est lié aussi dans le domaine peut-être de la santé. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle dans le domaine de près ou de loin de la santé, dans le bien-être. Enfin, une opportunité, en tout cas, ici, qui arrive pour vous. Professionnel, hein, mes amis, hein. Professionnel, vous allez vers la victoire, vers la joie. C'est un projet que vous avez. C'est magnifique. Waouh! Et la stabilité financière, bien entendu. Ok. Ok, ok. Vous voyez, il y a les compromis en dos de deck ici. Ce mois de décembre va être fait de compromis, de contrats, d'opportunités, de chances à saisir, de main tendue. Pour vous, mes vierges, c'est très beau. C'est magnifique. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Ah, mais dis donc. Voilà, mais il y en a deux qui sont tombées. Donc, regardez, hein, le soleil et l'amour. Vous allez vers le soleil, les amis. Le nouveau départ, la stabilité émotionnelle aussi, hein, la stabilité émotionnelle, en tout cas il y a le soleil ici, et la porte vers l'amour, ça me parle de l'amour peut-être, alors si c'est professionnel, vous allez vers un travail qui vous plaît, que vous allez faire avec amour, ça peut aussi me parler d'une rencontre amoureuse, ou si vous êtes en couple, des liens fusionnels qui se resserrent, d'accord, en tout cas, vous avez un tirage. Waouh, magique, magnifique mes amis. Bon bah écoutez, c'est très beau. Hein. Alors bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Mettez-moi un pouce mes amis s'il vous plaît, c'est très important pour l'algorithme de YouTube. Je fais les guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous aurez toutes les coordonnées sous la vidéo. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.